On tente Malenir du coup. Je vais me faire défoncer, je la connais même pas en fait. Elle est là-haut, je crois. Ah oui, ok. Allez, on va rigoler. Let me solo her. La porte jaune de la mort, quoi. Bon, là, par contre, j'ai droit à un double, on est d'accord. Oh putain, je vais me faire défoncer. Elle est tellement réputée, ce boss. Mais après, même le décor est réputé, quoi, tu vois. Le décor, il est emblématique, en fait, quoi. Allez, prends tes coups, là. C'est là que ça devient chiant. Ouais, attends, j'attends la phase 2. J'ai jamais vu sa transformation en phase 2. Je l'ai jamais fait, en fait, Malenia. Si le double, il continue de l'emmerder, ouais, ça peut le faire. Mais je te dis, l'armure de Rakshasa, c'est cheaté. Est-ce que je vais me faire sauter par YouTube? Enfin, sauter. Est-ce que je vais me faire avoir par YouTube si on la voit toute nue, du coup, ou pas? Est-ce qu'il considère ça comme de la nudité? Non, ça va, c'est soft. Bon, du coup, je vais me faire éclater. Bonsoir. Ah oui, alors, il faut faire Roland. Faut faire Roland. C'est merde. Je connais pas la phase 2, mais chier. Chier. Ah, je t'ai dit Run. Ouais, mais je la connais pas. Là, je découvre. À force de mater la cinématique comme un con, bah, tu sais. Là, je vais. T'inquiète, je vais courir, là. Ouais, prends cher dans sa gueule avec la lame blasphématoire. Ouais. Avec la lignée, ça passe quoi. Enfin, je dis ça, ça se trouve, elle va me faire un coup de ouf. Quoi. Parce que ça atteint vachement loin hein, la lame blasphématoire hein, quand même. Hein. Vous pouvez vous mettre tranquille, hein, c'est. Oh le. Ah, d'accord. Ok. Non, tue pas mon copain. Ah oh, putain, elle voit tout. Ok. Ok, on s'en fout. Ça va, je vais éviter. Ah, explosion de merde. C'est à se concentrer sur l'autre, le moyen. Putain, c'est tellement tanky. Ouh. Merde. J'ai plus la magie, il fait chier. Eh, ça va, hein. Allez, crève. Oh, putain. Oui, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde l'a craint. C'est ça, en fait, qui fait que tout le monde crève. Faut faire rouler de moment légendaire de la chaîne. Tu m'étonnes. Oh là là. Oh, je suis déter maintenant. Ça va, en fait. Je vais me glisser sur le côté pour avoir plus de place. Allez, sous le chambre de mon double, là, c'est bon. Non, là, là, faut pas qu'elle se rapproche de trop, par contre. Non. Non. Non, 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 non. Ok. Là, par contre, elle lui fout vraiment la misère, là. Je vais arrêter d'harceler mon copain. Oh putain, elle prend cher. Hein. Elle prend très cher avec la lame blasphématoire hein, quand même. Non, 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 non. Non, j'aime pas ça. C'est pas cool. Ça me fait mal. Là, faut courir. Ah, y'a... Non, 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 t'es méchante. T'es bien arrivé, genre de Dieu. Ah putain, c'est stressant. J'aime pas ça, putain. Bon, dans le vent encore, allez hop là. Bon, on refait. Ça va, j'ai le temps de prendre un café et tout, tranquille. Oh là là, je suis dans la merde. La phase 2 de merde. Allez hop, c'est parti. Ouh. Ça doit partir dans un best-of. Ouais, c'est possible. C'est possible. Merde. Faudrait que le double, enfin, il tienne un peu plus longtemps, quoi. Ou alors j'essaie de l'avoir en mode tout seul au début. Je crois pas des masses, quoi, mais... Là, va l'éviter, elle est pas con. Bien cher. Hop hop hop. Bon, bon, ça calme là. Elle a passé un coup de balai vite fait là. Elle a mis une poussière sur l'étagère. Ok. Le double donc. Bon, pote le double. Allez, mente-toi. Mais pourquoi je prends une pousse? Bon, déjà une potion magique de foutu en l'air. Ouais, attends. Je vais le faire. Ouais. Ça va doubler les dégâts en plus, ouais, je pense. T'as raison. Là. Merci Maxime du conseil. Ah oh, ouais, putain, elle prend encore plus cher. Là. Non. Non, 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 non,
Ça y est, je connais la souffrance de Malenia, ça y est. Vous imaginez si je l'avais buté du premier coup. Et on en parlait un petit peu, hein, que les boss, ils apprennent notre façon de se battre, en fait. C'est pour ça qu'on se fait avoir à chaque fois, après. Que le first try, en fait, il est facile, et qu'on se dit, ouais, ça va passer tranquille, il est facile. Et puis, au final, on se fait douiller 50 fois après, quoi. Ah, putain. J'aime pas ça. C'est de la merde. Franchement, il y a carrément moyen de se la faire. Et puis, il dit que si tu mets le boss à 1 HP lors de la première try, tu pars pour 50 try de plus minimum. Ouais. Ouais, bon, déjà le double est mort. Là c'est la merde, hein. De toute façon, on va le dire clairement. Ouais, par contre, elle prend cher, là. Non, j'ai plus de magie. Merde. Cours, connard. Ah bordel, c'est épique, le combat est épique. Si on prend l'attaque, on crève, donc c'est même pas la peine de prendre une potion, moi je suis vraiment un con en fait là. Non. Ah. Je veux pas qu'elle déclenche son attaque de merde. Non. 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 C'est horrible. Et puis elle prend de la vie en plus. Ah, putain, je commence à avoir des sueurs là. Merde, on aurait pu hein. C'est beau à voir. Ah, tu m'étonnes. Franchement, le live est bon esprit, j'aime bien. Mais putain, j'ai plus de bouffe, j'ai trop faim. Je vais me faire des pâtes, mais j'ai pas de sauce, fais chier. Je reviens. Franchement, sur un gros coup de bol, Malenia, ça peut passer hein, quand tu vois les dégâts que je lui fais. Je te commande une pizza, ouais, ce serait trop bien. Je vais me faire une poulet à la paysanne vite fait, là, j'ai des restants de trucs. J'ai fait des pop-corn pour voir ce combat mythique. Ah merde, attends. Là, ça va chier, là, en fait. J'ai pas mis les buffs, hein. Dites-vous, les gars, hein, je me suis pas buffé, en fait, lors des traits précédents. Ça se trouve, je peux faire beaucoup plus mal que ça, encore. Hein. On a le saut des doigts plus 24. On va regarder ce qu'on peut foutre en magie. Soin lointain. On va voir avec ça, là, déjà. Et attends, parce que j'ai mon scarabée. Mais si je le jarte, je peux mettre un truc encore plus pété. Exultation des adeptes de la putréfaction. Augmente la puissance d'attaque en cas d'empoisonnement de putréfaction et écarlate à proximité. Ok, on est d'accord. C'est une armure du DLC quand même, et des talismans du DLC. Donc ça peut un peu changer le game, quoi. Putain, je me suis pas buffé, je suis un con. C'est pas grave, ça va aller. Des serments dorés, et flammes renforce-moi. Ah, c'est ça que je veux. Et des potions maintenant, parce que là, j'en prends pas ma gueule. Ah, c'est bon, on est parti, là, on est chaud, là. Par contre, faut que ça la touche. Elle prend cher, hein. Elle prend quand même vraiment cher, hein. Là, j'ai 3 potions de magie, en plus, donc ça peut le faire, hein. Oh la vache, ok. Là mon allié je peux le normalement le soigner avec ça. Ou pas. Non, laisse-le bordel. Ok. Là il y a de la putréfaction là. Normalement ça va buffer mes attaques là. Merde. La potion! Non! 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 Mais non! Mais elle va pas sortir sans attaque S2! Mais non! Mais non! Vous voulez pas sortir l'attaque L2? Je comprends pas! Chier! Je veux l'avoir! C'est ce qu'on se dit tous en fait quoi! Et la lanterne, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la lanterne dans les objets quoi? Quelle connerie aussi d'avoir ça, mais bon, c'est pas grave. On est con hein! Allez hop, c'est parti! On va perdre du temps, on va certainement faire niquer juste parce qu'il y aura un objet de trop dans l'inventaire, mais c'est pas grave. Vas-y, casse-toi en arrière. Voilà, comme ça t'as l'autre qui arrive. Là tu le fous bien dans sa tronche, là, le plus près possible. Putain, ça a du mal à sortir l'attaque de l'un des fois. Il faut de l'endurance aussi, je suis con. Hop là, c'est fini. Elle te lâche cette attaque, t'es mort. Elle prend balle de dégâts quand même. Hein. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, super. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Enfin, si je gâche de la magie, je m'en fous. Là, elle est bien coincée contre le mur, hein, quand même. Hein. Comment ça calme? Comment ça calme? Magnifique. Est-ce qu'on peut survivre à cette attaque, en fait? Bah, il faut pas qu'elle sorte cette attaque-là, en fait. Et puis, si on essaie de la bloquer... J'arrête de parler, faut que je me concentre. On a l'impression que si on se buff, en fait, ça devient plus dur. Ça sert à rien de reprendre de la santé en roi. Waouh, what? Elle prend bien cher là. Ouais. Non, pas ça. T'es méchante. Ah, t'es méchante. T'es méchante avec moi. Oh, oh là là. Non, mais je pense qu'il va y avoir un truc. Si tu te buffes avant d'y aller, elle te sort l'attaque. Elle va vers toi. Je vire la lanterne, elle a rien à foutre là, la lanterne. Ça, on s'en fout aussi.
Faut laisser le double aller dessus. Mais le double, ça va, tranquille. Il est en vacances. Ouais. Elle tue pas mon double, hein, quand même. Hein. Lui, il arrive à résister. Hein. Moi, je crève direct. Mais... Non ! Ah, c'est mort. C'est mort, elle va m'enchaîner. C'est mort, je suis mort, je suis mort. Hein ? J'ai pas compris. Allez. Allez. Elle l'a prise. Ah, putain, c'est bon, ça. Allez, c'est la merde. Oh, c'est la merde. Là, je deviens plus puissant, en fait, quand il y a de la putréfaction écarlate à proximité, normalement, là. Avec le talisman que j'ai, quoi. Là, j'ai plus de magie, je suis dans la merde. Mais il faut pas que je laisse mon double se faire tabasser. Enfin, tant que mon double est là, faut vraiment que je la spam, quoi. Ah, merde. Ah, je suis dans la merde. Dommage. Je t'ai envoyé une strat, ton message privé sur Discord. Ouais. Ah, je vais pas me connecter tout de suite, là. Attends, bah, je vais voir ça tout à l'heure. J'essaie d'être, encore une fois. C'est ce que c'est, la détermination, tout ça. On va laisser le double aller en premier. Oh, je suis mort. Non, pas vers moi. T'es pas gentil. Elle prend les attaques. Bon. Hop. Faut juste qu'elle va pas bien vers moi. Là elle m'a dans le collimateur, non? Non, c'est bon, c'est encore bon pour moi. Là, ma larme est morte. Dans la merde. De dingue. Non ! Non ! Cette attaque de merde, non ! Crève, s'il te plaît. Elle est morte. Elle est morte, putain. Oh, bordel. Ah ben, on l'a battu ? Eh ouais, on l'a fait putain. Mais en fait, la lame blasphématoire, elle est tellement pétée depuis le DLC. Je vous dis, regardez l'équipement. La lame blasphématoire, elle est à plus 10. J'ai un saut des doigts à plus 24. J'ai utilisé... Alors attendez, je vais vous montrer en fait. Dans les sorts mémorisés, en gros, j'ai mis... Ferment doré, augmente votre attaque et votre défense ainsi que celle de vos alliés. Mais je l'ai pas activé dès le début du combat. Parce que quand je mettais les buffs, je remarquais, elle me sortait l'attaque de merde. Elle l'a pas fait, hein, l'attaque papillon de ouf, là, avec ses couteaux, là. Elle me l'a pas sorti tant que ça. Flamme renforcement augmente la puissance d'attaque physique et de feu. Ah, et donc du coup, bah, l'attaque magma au sol de la blasphématoire. Point lointain, au final, je m'en suis pas servi. Mais c'était pour guérir mon allié au pire. L'armure de Rakshasa, elle est pétée. Hein. Franchement, elle est pétée, il y a un truc dessus, c'est pas possible. Soit disant, ça augmente les dégâts de feu, mais ça augmente les dégâts subis aussi, mais en fait, pas tant que ça, apparemment. Et en talisman, j'ai le fragment d'Alexander. Le talisman de l'effroyable, c'est un talisman du DLC, un nouveau, qui buff toutes les attaques de feu. Talisman de scorpion de feu. Et surtout, le fameux talisman exultation des adeptes de la putréfaction. Donc ça fait quand même vraiment un gros buff de puissance, en fait, au niveau feu. Vous voyez, j'ai utilisé une potion aussi, un mélange de saut miraculeux. Pareil, l'arme fissurée voilée de flammes dans une fiole améliore temporairement les attaques de feu et restaure progressivement les PV. J'ai buté Malenia, dit Jemon. Je l'ai plié en deux. On va voir à la table ronde pour échanger le souvenir de Malenia, c'est cool. J'attends encore un peu parce que je voudrais bien dédoubler. Je me demande s'il n'y a pas un cercueil. J'ai utilisé tous les mausolées déjà. Ma poêlée paysanne, elle est encore dans la casserole. Je vais pouvoir manger en plus. Ça va être ma récompense. Manger. J'ai eu combien de tries sur Malenia là? J'en ai pas eu beaucoup au final hein, sur le live. Hein. 10 tries? Alors du coup, le truc de Malenia... Main de Malenia et floraison écarlate d'Ivoine. Il y a son armure aussi. Ah, ça c'est intéressant. Ah oui, je veux bien ça. Armure de Malenia.
Ok. Bah oui, là on prend le total. C'est pété les trucs de Malenia du coup. Bah ça c'est pour un best-of du coup, hein. Direct. Oh, faut que ça devienne viral les mecs. Hein. Le best-of et vous la propagez sur YouTube. Radon, on va le défoncer, c'est obligé.